Les ministres européens ont revu à la hausse la réduction des émissions carbone après le rapport alarmant du groupe d'experts sur le climat. Ils ont fixé à 35% au lieu de 30% les émissions de CO2 pour les voitures neuves jusqu'à 2030. Mais cette ambition reste moins élevée que celle du Parlement européen qui avait fixé cette réduction à 40%.